Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat mal Oustad Mohamed Boukhari. Marhaba bikoum a'zaï el karam, vidéo jdid ala qanatkoum Tarbawiyat mal Oustad Mohamed Boukhari. Fad la vidéo inchallah ghadi ndir ma'akoum safhat 13 min kitab el muta'allim wal muta'allima mes apprentissages en français 6e année de l'enseignement primaire at tab'a el jadida. Idan men ba'd ma drna el vidéo li kan kaykhass faqat safhat 12 li hiya fiha l'observation est découverte. Liouma Radindiro, pendant la lecture, je lis et je comprends, je lis et j'écris, je lis à haute voix, je participe au débat et je m'évalue. D'accord? Avant de faire ces exercices, je vais vous lire ce texte, une lecture qui est basse. Savez? Je vais vous lire, suivez avec moi s'il vous plaît. Al-Karawiyyin, Université du Monde. Al-Karawiyyin, Université Al-Karawiyyin, est une université située à Fès, au Maroc. Selon la tradition, sa construction débute en 859 sous le règne de la dynastie Idriside et il est considéré comme la plus ancienne université dans le monde encore en activité par l'UNESCO, le livre Guinness des records et par plusieurs historiens. Toute une série de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à Al-Karawiyyin. Les grands précurseurs du soufisme tels Ibn Hizm, Abu Madian, Abslam bin Mshish Al-Alami, les philosophes Avon Pass et Avora, la géologue Al-Idrisi, mais aussi Maïmonide, Ibn Khaldun et Lyon, l'Africain pour ne citer que cela. Dans l'histoire racontée par Ibn Abizar, à la suite d'une période d'anarchie à Kairouan, entre 818 et 825-826, Mohamed ibn Abdullah al-Fihri, riche commerçant, s'installa avec sa famille à Fès. À sa mort, ses deux filles Fatima et Mariam recueillirent un important héritage qu'elles décidèrent de consacrer à des œuvres de bienfaisance. Dans le quartier des Indalous, Mariam construisait la mosquée des Indalous. Sa sœur Fatima acheta un jardin maraîcher et obtient l'accord du prince Idriside Yahya ibn Idris pour ériger le premier noyau de la future Al-Karawiyyin à partir de 933. La mosquée fut alors dotée d'un minbar et appelée mosquée Al-Karawiyyin, mosquée de Kairouan, en hommage à la ville d'origine de Fatima al-Fihriya. La mosquée Al-Karawiyyin vit son architecture évoluer et s'agrandir. Elle devient du 10e siècle au 12e siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. Il faut attendre la première moitié du 12e siècle pour voir sortir de Fès de grands philosophes comme Avon Pass ou mathématicien Elias Mean, inventeur de triangle de Pascal. Cela signifie naturellement qu'à cette époque, la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements dans diverses branches. Théologie, jurisprudence, philosophie, médecine, mathématiques, astronomie. Donc, frère, le texte, d'abord, on va voir les questions. Ça fait les questions les adnanaïa pendant la lecture. Je lis et je comprends. La première question, de quelle université s'agit-il? Chemin Jamia. Donc, on va voir. Donc, on a un drainage observé, je dis qu'on va aller faire un peu mieux. Donc, on a un dire, je lis et je comprends. Je lis et que je comprends. De quelle université il s'agit? Donc, la première question de cette rubrique. Donc, il s'agit de l'université. Université Al-Karawiyyin. Al-Karawiyyin, ça fait Université Al-Karawiyyin. Deuxième question. Dans quelle ville se trouve-t-elle? Je me dis que je n'ai pas jamais été Al-Karawiyyin. Donc, à Fès, à Fès, Maroc. Yef Medinat Fès, le Maghreb. Question 3. Pourquoi Fatima et sa sœur Maryam s'installèrent à Fès? Alors, Fatima ou Maryam s'installèrent à Medinat Fès. Parce qu'ils ont quitté leur pays, Kairouan. Ils ont quitté l'asile de leur pays, Medinat Kairouan. Ils ont quitté leur pays. Ils ont quitté leur paragraphe. هنايا غادي تلقاوها هنايا راه اصلا سماو هاد الجامع القرويين اون نوماج ا لا فيل دوريجين يعني المدينه الاصليه ديالهم صافي باسكو بيان باسكو باسكي حيت باسكي لون كيتي
Hit leur pays. يعني المدينة الأصلية ديالهم هي كايروان. كايرون بحال هكا. بوندون اون بيريود، خلال واحد الفترة ديال هذا ديال الفوضى دانارشي في تونس، اون تونيزي. دونك هذه المدينة ديال كايروان هي مدينة في تونس، راه باينة. كيسون 4 شنو كيقول؟ كي ا دوني لاكور بور لا كونستركسيون دالكراوين، شكون اللي عطى الموافقة باش تبنى القراويين، تبنى هاد الجامعة هي كاينة هنايا. هاي اوبتيان لاكور من لو برانس ادريسي يحيى ابن ادريس، داكور. نحاولو دونك 4 سي لو برانس إدريسيد يحيى ابن إدريس كي يدوني اللي عطا الموافقة، كي يدوني لوتوريزاسيون دو لا كونستركسيون دو الكهروين، ولا عطى الموافقة بالبناء ديال القرويين. كيسون 5 شنو عندنا فيه؟ كي يا في مريم افيك سون هيريتاج، شنو دارت مريم بهذا الورث ديالها؟ شنو دارت مريم بالورث ديالها؟ شوف غنشوفو هنايا هاد الصفحة هادي. مريم كونستخوي لا موسكي دي زندالوس، صافي. فاطمة شنو دارت؟ اشتا ان جاردان ماريشي اوبتيان لاكور بوغ كونستخوي القرويين، جمع القرويين. كيسون 5 اي لا. دونك هادي استسمح راه السيلو بدا كيقطع ليا وكنبدلو. بوغ مريم الى كونستروي، الى كونستروي كوا؟ الى كونستروي لا موسكي دي زندالوس، بنات الموسكي دي زندالوس. وبالنسبه لا كيسيون 6، Au fil des années, comment était considéré à Al-Karawiyyin? Al-Karawiyyin, kifash oulet ma'a l'ouakt. Kifash oulet. Donc, suivez avec moi. Yuna, elle était considérée comme un important. Voyez. On a fait le paragraphe. Il a été considéré, ou bien il devient considéré un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. Elle est considérée, ou bien elle était considérée, comme un important centre d'enseignement très bien. Question 7 maintenant. Il y en a dans la question 7. Quelles sont les branches qui ont été enseignées dans cette université? Je n'ai pas les branches, yani tawajjuhat ou les takhassousat li kitqarraw f had el jami'a. Donc il y a kaynin hnaya les branches dans le paragraphe l'akhriya. Elle est capable de présenter des enseignements dans diverses branches: théologie, jurisprudence, philosophie, médecine, mathématiques et astronomie. D'accord? Donc la réponse c'est les branches dire les deux points. Il y en a théologie, il y en a jurisprudence, il y en a aussi la philosophie, il y en a aussi médecine. Il y en a aussi mathématiques et l'astronome. L'astronome. D'accord? C'est bien. On passe maintenant à la rubrique Je lis et j'écris. Je lis et j'écris. D'où vient Fatima et Mérim?
منين جايين ولا شنو الاصل ديال فاطمه اي مريم. دونك منين جاو فاطمه اي مريم راه هما جاو الاصل ديالهم هي واحد المدينه كاينه في تونس اللي هي كيروان. داكوغ هاي لوريجين دونك كيروان دانارشي اكيروان داكوغ اكاي كيروان. دونك الاصل ديالهم نحاول نكتبو هنا نجاوبو هنا حيت كاين دابا الفراغ. دونك ال فيان les deux filles de Kairawan de Tunisie, en Tunisie. Deuxième question, qu'est-ce que les deux sœurs ont fait de leur héritage? Je ne dirai les deux filles. Donc, Maryam a construit la mosquée des Indus et Fatima la mosquée des Kairawani. Ça fait. Donc, Maryam construit, bien a construit la mosquée d'Andalus, bien des Andalus. Fatima a construit la mosquée Kairawan. Kairawani. D'accord. Troisième question. Cite trois grandes personnalités qui ont vu leur nom associé à Al-Karawi. C'est-à-dire les plus grandes personnalités qui ont une relation ou le nom d'eux qui est rattaché à Al-Karawi. Toute une série de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à Al-Karawi. Les grands précurseurs du soufisme tel Ibn Hlizim, Abu Madian, Abslam Bimchish, etc. D'accord. Donc, on va essayer de trouver trois ici. Il y en a Al Yasmin. Il y en a aussi Avampas. Il y en a Ibn Abi Zar. Il y en a Maïmonide. Il y en a beaucoup de personnalités sont associées à Al-Karawin, d'accord. Question 4. Sous quelle dynastie Al-Karawin a-t-elle été construit? Il y en a de Al-Karawin, Tibnet, et l'Esh Tibnet. Je nous sais pas bien. Il a été construit sous le règne des Idrissides, d'accord. Il a été construit. Il a été construit sous le règne des Idrissides. D'accord. Question 5. L'architecture d'Al-Karawin a-t-il changé depuis sa fondation? Donc, Al-Karawin a-t-il l'architecture d'Al-Jamahali. Donc, là, Al-Karawin a vu son architecture s'évoluer et se grandir. Donc, la mosquée Al-Karawin vit son architecture évoluer. Donc, la mosquée Al-Karawi vit son architecture évoluer et s'agrandir entre 10e siècle et 12e siècle. C'est bien. Il y en a d'autres rubriques. Il y a j'enrichis mon lexique. Il y a des kalimat li même fomij fi nass ha huma sharh dialhom w li kaydirou qedamhom wahda el raqm bel ahmar safi 1 2 3 et 4. D'accord. Il y en a 4 lexiques ou bien 4 mots. Il y en a université, c'est un établissement d'enseignement supérieur destiné à la transmission des connaissances. Tradition, ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations.
Précurseur, persan ouvrant la voie à de nouvelles idées. Maïmonide, rabbin juif du Moyen-Âge. D'accord? Ce sont des mots du lexique. D'accord? Ici, je lis à haute voix. Donc, après la lecture. Maintenant, après la lecture. Même ba'd al-qira'a. Je participe au débat. Al-Qaraouine est considérée comme la plus ancienne université dans le monde. En lisant cette phrase, que penses-tu de ton pays? Donc, Naya. كيقول لك بانه هاد القراويين كتعتبر من اقدم الجامعات في العالم دونك انا جو بونس كو دون لا فيل دو فيس il y en a une tradition qui dure ou bien qui est de l'époque jusqu'à maintenant donc on est fier de ça on est fier de l'université Al-Qaraoui parce que il présente des enseignements dans diverses branches est considéré aussi comme un important centre d'enseignement et une des premières universités du monde. D'accord? Maintenant, on passe à je m'évalue. D'accord? Je m'évalue. Il y en a quoi ici? Il y en a dans le nom de deux personnes qui ont été diplômées à Al-Qaraoui. Jeljelnes, qui ont été diplômées. C'est-à-dire, d'où? Diplôme d'Elhom Al-Qaraoui. Donc, il y en a Abdeslam Ben Mchich, Abdeslam. بن شيش عالمي ليون لافريكان entre le 10e et 12e siècle comment a été considéré le Qaraoui donc al Qaraouiyin ما بين القرن العاشر والقرن الثاني عشر كيفاش كانت كتعتبر donc هي كاين في لو تيكست il est considéré comme un important centre d'enseignement d'accord est considéré comme un important centre d'enseignement a été considéré a été elle a été considérée comme une des premières universités du monde. D'accord? Question 3. Quelles sont les diverses branches qui ont été enseignées à Al-Qaraoui? Je n'ai pas le choix. Al-Qaraoui. Donc, parmi les branches enseignées sont les mathématiques, par exemple. Il y en a aussi théologie. Il y en a aussi philosophie. Il y en a médecine, etc. etc. D'accord? بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص صفحه 13 من كتاب المتعلم والمتعلمه ميز ابرونتيساج اون فرونسي كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته